bon petit cul, toi. Bon petit cul. Je lui kiffe quand je touche le cul, là. Quand il va à la douche, là. Bon petit... Hein? Ah, c'est bon, ça fait du bien, toi. Petit cul, hein, petit cul, toi. Bon petit cul. Et amène-moi des gâteaux ou un truc comme as. Je suis là, vous inquiétez pas, les refs. Je vous vois, on est ensemble. Ça fait... Fils de pute, va. Oh, est-ce qu'on le voit? Ouais, il est bien calé. Si tu te comparais à une meuf que de tes rêves à un fromage, tu te dirais quel fromage? Un petit kiri. Kai, kai, kai. Jade, c'est pas ton style, Jade? L'ancienne assistante de Darko. Pourquoi tu essayes de gratter des champs fous à chaque fois? Non, mais parce que je sais qu'on va finir sur TikTok. Ouais, je sais. Je sors avec personne, parce que... Ah, Dracolos! Ici, là, elle te dit, Inox, j'ai envie que tu me soulèves. Mais je soulève pas! Tu la soulèves pas? Bah non, c'est pas forcément que j'ai envie. Non, t'as pas envie? Bah non, d'accord. Pour la soulever, t'as besoin de la connaître. Bah oui. Et si avant, tu apprends à la connaître? Mais arrête de. Bah, Jade, elle est jeune, hein. Mais si c'est une meuf de ton âge. Bah, moi, j'ai premier soir. Retourner acrobatique. Ah, retourner acrobatique, t'as Lewandowski! Elle est pas mal. Qu'est-ce qu'une leule? Bah viens, je te montre. Vas-y. Vas-y, mets-toi à quatre pattes. Il casse les couilles, les gars. Mais du coup, pour en revenir à Jade, physiquement, c'est ton style? Marc, ouais, je pense, ça va ou quoi? Au calme, merci GLA. Bon, Jade, si tu regardes ce live ou ce TikTok, je pense que... Mais gros, pourquoi tu parles des trucs comme ça? Je pense qu'il faut passer à autre chose. Des porteurs de TN, t'en as à tous les coins de rue, donc... J'ai pas de calcul, les gars. Non, les gars, Inox, c'est le... Non, ouais. Par contre, ton père, non, c'est... Ça va? Mon père, par contre... Non, la Turquie. Il a fait un tour déjà ou pas? Ah oui, il a fait. C'est un BG, mon daron. C'est un BG, mon daron. Ça va, les gars? La star, elle a un petit peu de temps pour vous. Je vais me faire... Un petit peu, les gars, profitez un petit peu. Hein. Je vais me faire insulter. Le crouton que tu détestes, le crouton que je déteste, c'est Michou. Hein? Que j'aime le moins. En fait, je vous aime tous à la même hauteur, mais je vais dire celui... Je sais... Allez, t'allais dire, allez. C'est pas que j'aime le moins, c'est que peut-être que je parle un peu moins avec lui. C'est que je parle un peu moins avec lui, c'est Val. C'est... Non, mais c'est... Dans ma vidéo, il a dit que c'était toi. Ouais, mais non, mais c'est... Non, je l'ai pas mal pris du tout. Mais là, il a un petit bidon de un mois, alors. Genre, là, tu serais une meuf, j'aurais cru que t'étais tout moi enceinte. Non, là, c'est bizarre. C'est hyper bizarre. T'as quel âge la première fois? La première fois, 16 ans et demi, toi? 17 ans et demi. C'était bien. Bof, quoi. Enfin, normal. C'est-à-dire... T'as saigné? Ouais. Bah la première fois, je crois que pour une fille, c'est jamais ouf, hein. Dans tous les cas, genre, c'est le temps de faire le premier passage, quoi, Mais toi, tu parles que de sexe, hein. C'est le temps de faire, voilà, et quoi. C'était à quel âge, la première fois? Ta première fois, c'était à quel âge? Bah dis pas, il a pas fait encore. Lucas a demandé à quel âge t'as bouffé ton premier cul. À 16 ans. À 16 ans? T'es resté longtemps avec ce mec? Ouais, c'est 4 ans. Ah, t'étais amoureuse de lui, du coup? Ouais. Moi, la première fois, dis-toi, elle l'avait déjà fait, moi. Alors qu'elle avait 14 ans et demi. Est-ce que c'est que dans les films ou pas, mais les meufs, des fois, elles complexent sur leur sein, vers collège, lycée, et du coup, elles se mettent des trucs dans leurs soutifs. Ah bah ouais, je faisais ça. Hein. Tu faisais ça? Donc toi, tu mettais quoi, toi? Bah, c'est juste des soutifs où il y a un gros push-up, tu vois, dedans. Un push-up? Bah là, tu minces sur la marchandise. Bah ouais. Moi, ça me fait penser directement au paquet de chips, tu vois. Les paquets de chips où il y a la moitié d'air et la moitié de chips. Mais Apo, elle parle que de cul. Mais Apo, elle parle pas que de cul, elle est dévergondée. Mais je pense que je pourrais être sexologue. Exemple. Je suis avec une meuf depuis un mois et demi et à chaque fois que je veux faire l'amour, je débande au moment de mettre la capote. Ça c'est histoire vraie, ça. Oui. C'est histoire vraie, ça. Ça veut dire que t'es pas prêt. Ça veut dire quoi? La meuf, elle t'excite pas du tout. Du coup, bah voilà, faut changer de meuf. Deuxième hypothèse. Deuxième exemple. Je suis avec ma meuf depuis... l'époque de un an et je sais pas, j'arrive pas à tu vois qu'elle soit bien, tu vois, qu'elle soit satisfaite. T'as l'impression qu'elle s'en bat les couilles, t'as l'impression que c'est une étoile de mer. Faut lui demander cash en mode qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que tu veux de plus. Regarde, elle est à fond dans son rôle de sexo. Mais ça, il est joué aussi. La communication,
C'est stressant vos métiers de vidéaste. C'est très stressant, ouais. Tout le temps tu cogites. Ouais, ouais. En fait, tu parles plus à toi-même qu'aux autres. Tu vas te faire les cheveux carrés. Vas-y, fais comme si tu faisais les cheveux carrés là. Ouais, non, ça tirait pas. Tu ressemblerais à une Carole. Ouais, Carole. Carole de la compta. Tu me sors la facture de monsieur Ledu, s'il te plaît. Mais regarde, fait. Mais regarde là. Regarde là. Regarde là. On dirait Pidé dans son clip là. Oh. Ça tirait grave. Ouais, il y en a plein qui disent ça, mais bon, voilà. Il te voit pas en vrai. T'es une arnaque, toi aussi. Là, on dirait que t'es belle, mais en vrai, quand je te vois là, tu vois. Je rigole. Trop méchant. Mais non, mais elle faisait trop la belle, hein. Oh, attends, comme t'as là. Oh ouais. Attends, mais gros, les JB, il pète un câble. Je sais pas pourquoi les gens regardent les vidéos des croutons, Michou, Inox, etc. Ils sont pas drôles et c'est des gros cassos. Mais je comprends pas, ils font plein de vues et tout le monde les aime bien. Mais réveillez-vous, si ça continue comme ça, Michou, c'est le futur Squeezie et ça, c'est grave. Sur sa pépé. Follow you. Ah oui, il nous follow. Il nous follow. Non mais nous faut qu'on habitue la nouvelle génération à être pas dans ce dans ce monde où on est jaloux et on envie les autres. Faut qu'on les habitue à réaliser leurs rêves et à y croire, tu vois, mais pas à être jaloux comme la génération qui est actuellement, tu vois. Vous êtes plus jaune ou blonde vous ? Moi les deux tant qu'il y a des gros seins. Bah je rigole. Je rigole. Mich, je le vois bien avec une blonde aussi. Je le vois bien avec une blonde discrète. Avec un style assez réservé, tu vois, pas un style vulgaire, tu vois. Douce, très douce. Mais coquine. D'un 20-20. Qui ça ? Donc il s'en bat les couilles, C'est un génie là, oui. Ça va les loulous ? Ça va les loulous ? Vous avez bu un petit peu d'alcool ? On est en live. Blindé de bouffe ou d'alcool ? D'alcool. Vous arrivez dans combien de temps les loulous ? 25 minutes. Ah bon ? Apollin ? Ouais. C'est quoi ça, Apo? Tu dois faire quoi, Apo? Enfin, je dois préparer le lit pour Ponken. Oh! Quoi? Quoi? Je pensais à ça. Quoi? Mais non! Quoi? 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 Elle est en roue libre, là, oui. Oh, t'es tombé! Tu rigoles, mais bah, un petit peu. On vous a entendu, hein, le premier. Ouais, premier, je vous ai entendu. Premier jour, vous avez entendu? Vraiment? Vu la tête de Michou, je pense que c'est vrai. T'as vraiment entendu? L'amour, les gars. Vraiment? Non. Non. Elle était en train de grimper au rideau, ouais. Mais arrêtez, là, ça devient gênant. Mais t'entendais Pity ou Apo? Bah alors là, jamais. Moi, j'annonce, j'ai les problèmes de fille cette semaine, donc c'est pas moi. Oh merde. C'est que Apo. Ou alors c'est moi qui avais les soins un peu trop forts. Ah, sacré main. Ah, mais tu saoules, putain. Et regardez, elle cette photo, ça va être gravé à vie. Magnifique. Ouais, mais t'inquiète, ils verront pas trop, mais ça, dirais, ils se doutent quoi. Ils se doutent qu'on est beaux gosses quoi. Le pire, c'est de tuer les zizou. Elle est trop Vas-y, moi je me casse. Non mais Pidi. Elle prend plus l'air proche, ça y est. Eh Michou. Eh Pidi, ça va aller. Ça va aller.